Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Seb et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en solo hein, sur Farming Simulator 2015. On est sur la map Les Chaisées hein, afin tout simplement de continuer nos épisodes. Je sais pas si ça va être la dernière vidéo hein, sur Les Chaisées. En tout cas, je pense qu'il n'y aura plus de live sur Les Chaisées. Donc tout ça, on verra par la suite. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un peu de mélange afin d'aller nourrir nos bêtes. Le dernier coup en live, on avait donné de l'eau et aujourd'hui, on va aller nourrir. Tout simplement, je vais vous présenter deux modes. Je vais faire de petites présentations de modes. Hein, donc voilà, on verra ça pendant tout le long de la vidéo. Donc allez, on va pouvoir se mettre au boulot. Hein. Moi, j'ai déjà commencé donc à commencer à préparer le mélange. Hein. Donc voilà, le camion là-bas, là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ton machin? Et c'est un Kenworth, tout simplement. Kenworth, mais qui sert de mélangeuse. Voilà, une grosse mélangeuse. Bon, là-bas, je vous avoue que c'est fait pour les grandes maps. Hein. Mais là, étant donné que sur les chaisées, les animaux ne sont pas à côté, bah tout simplement, voilà, je me suis dit, je vais chercher un nouveau mode pour vous et pour pouvoir nourrir bah, tous les animaux en même temps. Comme ça, on va être tranquille. Donc voilà, un Kenworth. Bon, par contre, il a un klaxon de merde, hein, je vous l'avoue. L'intérieur, bon, c'est pareil. L'intérieur, bon, c'est un. Il y a eu un petit effort de fait, on va dire. On va appeler ça comme ça. Il n'y a pas les mains, on voit pas le chauffeur, mais bon. Enfin, on verra la conduite après, hein. Mais bon, tout ça. Donc, je vais activer la TH juste pour vous montrer. Là, on est déjà à 60. Enfin, on est à 60%. Et 65%, il y a 51 000 litres dedans et j'ai même pas encore fini de le remplir. Donc bien, on va finir ça ensemble, le mélange. Hein. Donc là, vous voyez un peu la barre. Hein, je vous explique plus pour le mélange. Hein, il faut que, genre pour le foin, que la barre reste entre les, que la barre bleue reste entre les deux petites barrettes là qui est verticale. Et comme ça pour chacun, hein, que ce soit pour le foin, le silage ou la paille, pour faire un mélange correct. Donc on va pouvoir déjà commencer. On va prendre le petit Fenton, le 724. Hop, allez, on rentre dedans, on ferme la porte. Hop, voilà. Bon, on se met quand même en vue extérieure. Hein. Et on va voir comment continuer tout simplement à finir le remplissage. Par contre, elle contient beaucoup. Hein, là. C'est impressionnant tout ce qu'elle contient, ce camion-là. Hop. L'ensilage qu'on avait fait ensemble, hein, pareil sur les lives. Donc je l'ai fait fermenter, comme ça on est tranquille avec tout ce qu'il y a là, ça devrait aller. Hein. Malgré qu'on a quand même pas mal d'animaux. Hein. On a pas mal d'animaux, on avait mis quoi les haricots? Je crois qu'on avait mis des patates, on avait mis de l'eau, on avait mis du grain hein, au fur et à mesure que l'on moissonnait. J'ai mis notre ami Jackie là, il est en train de faire du colza, dans du blé, pardon. En train de faire du blé, donc là je vois qu'il est plein en plus. Allez, on va monter juste vérifier le mélange. Alors en ensilage, ouais, en ensilage, on est quasi à la moitié. On est à 72%. On va rajouter du foin parce que là, le foin c'est critique. C'est pareil, le foin on l'avait fait ensemble. Hop. Le foin on l'avait fait ensemble hein, en live. Là, est-ce que la nouveauté, enfin la nouveauté, c'est pas une nouveauté, hein, j'ai fait de la paille. J'ai fait de la paille, ça c'était pas en live par contre la paille. Justement, ça nous sert hein, pour notre ensilage, pour notre mélange. Donc allez, là j'hésite, est-ce que j'en prends une ou deux? Allez, on va en prendre deux déjà. On verra, on va emmener ça auprès du camion. Donc voilà, hein, petit Kenworth tranquillement. Par contre, je vous avoue que le lien, je ne l'ai plus. Je vais essayer de chercher. Et si je le retrouve, je le mettrai dans la description. Hein, donc me demandez pas est-ce que je peux avoir le lien. Parce que là, déjà, vous avez le nom. Hein, le Kenworth T800 Feed Truck. Voilà, tout simplement. Vous tapez ça sur Google. Hein, chaque fois, j'ai pas envie de. Parce que moi, enfin, j'ai pas envie. Je ne les liens, je les garde pas hein, de côté à chaque fois, mais je vous donne les noms déjà, c'est pas mal. Allez, hop, dans la mélangeuse, on va déjà regarder à combien on est là avec ce ballot. 77%. Oh bah, on peut caler carrément le deuxième. On va caler le deuxième, comme ça on va être royal. On va se mettre le deuxième et je pense qu'on va pour se mettre peut-être un ballot de paille en même temps dedans. Hein.
On va mettre un ballot de paille et remplir le reste, hein, finir de remplir avec l'ensilage. Hop, allez. Hop, voilà. Hop. Chercher un ballot de paille. Ça, vous les connaissez, hein, ces feintes-là. Hein, maintenant, ils sont à peu près dans tous les packs, hein, quasi. Il y a un pack entier hein, où il y en a 5, 4 ou 5, je crois. Des modes très très bien modelés en tout cas, ces feintes là en serveur ils font un peu bugger, ouais, ils font bugger je crois hein. Je crois qu'on avait déjà essayé de les mettre mais ça n'avait pas été. Hop. On dévoile. Alors bon, à chaque fois faut faire hein, pour faire un bon mélange parfait hein, faut monter, faut regarder. Comme là vous voyez, hein, 35%, 35% et 29% en paille, on est impeccable. On va juste rajouter peut-être, allez, un ballot de foin, on va dire. On va se rajouter un ballot de foin et je pense qu'après on va pouvoir hop, rajouter de l'ensilage et ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal, on va pouvoir nourrir un peu tous nos animaux. C'est au moins ça un peu le... L'avantage de cette machine-là, hein, c'est que ben, normalement, avec tout ce qu'elle contient, hein, on devrait pouvoir en donner à tout le monde. Hop, allez, est-ce que je vais pas en mettre de trop avec un ballot? On va voir ça. Voilà, W avec le CS mode pour détacher les bottes. On monte, on regarde, on est à 92%. Et ben voilà, on n'a plus qu'à rajouter de l'ensilage, hein, un peu d'ensilage, peut-être un godet ou deux. Et normalement, on est pas mal. Allez. Donc voilà, hein, que dire de plus, que dire de plus. Maintenant, vous suivez la chaîne, donc vous êtes au pit, hein, d'après ce que je vois, tout le monde à peu près. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est à peu près, hein, suit nos vidéos. Et donc merci à vous, Hackendorf, des grosses nouveautés sur Hackendorf vont arriver d'ici peu hein, en exclu, je pense qu'on va être les premiers à vous proposer ce genre de choses, en France plutôt. Donc voilà, ça j'en dis pas plus. Hop là, la première vidéo avec Juju, hein, avec Farming Savoyard qui a rejoint la team, est sortie. Merci à lui, hein, c'est super cool qu'il nous ait rejoint. On s'entend super bien, donc pourquoi pas en profiter ensemble de jouer ensemble en multi. Oh. Alors on a combien? Kenworth 96, on rajoute le dernier godet. Normalement, on devrait être calé là. Bon, 99%, on va dire que c'est pas mal, hein. C'est pas mal, on va juste aller vider notre ami Jackie mais qui est justement il est en train d'attendre. Hop. Allez, on va se prendre le ZTS hein, avec la Ben Fortuna. On peut modifier la plaque d'immatriculation hein, derrière. Donc, allez. Il est parti, j'arrive mon Jackie, t'inquiète pas. Avec le petit klaxon un peu bizarre pour un tracteur. C'est marrant. Alors, Jackie, normalement, il doit être dans le coin. On va ouvrir un peu tout. Hop, il fait beau. Ça sent l'été, en tout cas. Ça qui est bon. Alors, il doit être par là, je crois. Pour ceux qui veulent hein, la petite glacière, hein, ceux qui veulent une bière. Servez-vous, il y a le petit sambon, le petit sapin en haut à gauche, ça vous, tout le monde le connaît, hein, ce petit sapin moche et qui pue. Alors normalement il doit être par là, hein, mais le bois, pour ceux qui nous suivent, hein, vous souvenez de ce bois-là, on avait fait des copeaux hein, et des grumes qu'on avait. Je vous avais montré hein, comment faire du compost avec le copeau. Et normalement il doit être par là. On va juste se mettre comme ça pour voir où il est. Ah, il est là-bas, donc on retourne à droite. Hop. Donc c'est juste une petite vidéo, hein. Je la fais pas en live, c'est juste que je voulais faire une vidéo pour ceux qui n'ont pas la chance de venir sur nos lives par exemple, mais qui peuvent regarder nos vidéos, donc voilà. Je pense aussi à tout le monde. Hein. Et j'arrive mon petit Jackie.
Voilà, ce qu'on va faire, on va laisser la benne là, tout simplement. Et on va retourner donc dans notre camion, on va pouvoir commencer à nourrir. Hein. Pouvoir commencer à nourrir tout simplement les bestiaux. Donc là, on doit être pas mal, je pense, hein, sur le mélange 36, 38, 25. Bon, c'est pas mal, on va dire. Ouais. Allez, hop, on est parti. On va déjà commencer à nourrir nos amis les vaches. Hein. Par contre, sur le Kenworth, je crois qu'il n'aurait que le. Ouais, ça sort que du côté gauche, je crois. Ça sort pas des deux côtés, mais bon. C'est pas grave, vous allez me dire. On a juste à se mettre bien dans le rang. Donc là, normalement, je crois que. Non, on va y nourrir à l'extérieur. Ouais. On va y nourrir à l'extérieur. Voilà. Toc. Allez. Marche arrière. Parce que là, elles avaient faim, hein, les mémères, mais bon. Je m'en étais pas trop bien occupé. On va se mettre par là. Hop. Allez. C'est parti. Voilà. Un tala. Un tas par là, hop, voilà, on va faire ça pour tout. Histoire qu'elles en aient un peu, hein, quand même. Bon, le seul truc que je trouve dommage, quand même, c'est que j'ai acheté. On a quoi? On a 100 vaches, je crois, là. Et le problème, c'est que quand on regarde les champs, on dirait qu'il ouais, y en a que 6, quoi. 6 qui s'affichent. Mais bon, c'est pas grave. Et je sais plus si on peut nourrir à l'intérieur, on va regarder, hein. Pourquoi pas. Hop. En tout cas, ouais, ça part vite, hein, le mélange là. Ouais, on peut y nourrir à l'intérieur. Peut-être t'en garde 50%. Oh ouais, 50% on va en garder, hein. On va en garder pour les autres. Hop, voilà. On va faire un petit test parce que les moutons, je les ai pas encore nourris. Et je les ai jamais nourris, je vous avoue. Donc on va essayer un truc. Donc là normalement c'est de l'herbe, je crois. Je suis pas sûr et certain à 100%. Ah si, on peut le remettre. Voilà. On va regarder ça de suite. Hop. Peu animaux, moutons. Auge, 3800. Bon bah voilà. On va dire que c'est pas mal comme ça. On va leur en mettre au veau. On est à 35 000. On va essayer de leur en mettre 16 000 au moins. Voilà. C'est de leur mettre 16 000 et le reste on ira tout simplement hein, au cochon. Donc en tout cas voilà l'automix, hein, le rotomix plutôt il s'appelle. J'espère que ce petit mode vous plaît. Un truc que je vous montrerai hein, par la suite des petits modes hein, comme ça. On essaiera de se faire des petites sessions solo. Allez par là. Hop hop. Décharger, on va essayer d'en mettre 30 000 là-dedans. Toc 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 toc. Enfin 30 000, 5 000 plutôt. Ouais, il y a du grain dans la dernière. Bon, on va pouvoir en mettre hein, encore plus. Allez, fais péter. On descend jusqu'à bon, 16 000, c'est pas mal. Par là, voilà, nickel. Et on va go direction. Les cochons, donc vous voyez, hein, avec une seule mélangeuse, par contre, là, on aurait fait pas mal de d'aller-retour. Surtout que ben, là, j'en ai acheté 100 de chaque, donc ils en demandent au moins un minimum, je pense, deux mélangeuses par bâtiment. Donc voilà, là, au moins, on peut leur en distribuer un peu à chacun. Comme ça, peuvent déjà commencer à manger, le temps de refaire un camion, par exemple, hein, par la suite, ou le temps de continuer à faire des cultures. À gauche, là on monte, j'espère que ça va pas avoir de peine à monter. Petit quai noir, ça va, c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Voilà. Alors là c'est à gauche. On arrive au cochon. En tout cas c'est sympa
Sur les maps comme ça, par exemple, hein, quand vous n'avez pas de stockage d'herbe, d'herbe ou de paille en vrac, hein, voilà, c'est sympa de faire des petits ballots, ça change déjà de faire les ballots, et au moins vous pouvez les utiliser, hein, parce que beaucoup en font, mais... Voilà, je me suis planté de... Non, c'est pas cette porte-là, c'est celle d'avant. Pas mal de gens font des ballots, hein, les stockent, mais les utilisent pas. Et au moins sur cette map, bah, l'avantage c'est que bah, là, au moins vous êtes obligé de les utiliser parce que sinon vous pouvez pas pailler ou nourrir vos animaux, de faire de mélange. Hop, allez. On va mettre le reste. Tout simplement, hein. Ça se remplit, voilà, impeccable. Comme ça, ils sont contents. Allez, salut cochon, à la prochaine, merci. On va pouvoir ramener mais, tout simplement le camion à la ferme. On va prendre de l'eau en même temps là, on va prendre de l'eau parce que le dernier coup on n'avait pas mis d'eau au poulet. Donc on va emmener de l'eau au poulet et je vais vous montrer donc une benne. Une benne mais je vais pas dire le nom, hein, vous allez voir de toute façon. Vous allez voir, vous allez voir. Allez. Oula, oula. Par contre, c'est un peu abusé ce qu'il peut monter à 180 km/h le camion là. Hop, comme ça. Après, je pourrais bah, continuer tout simplement à faire du mélange hein, pour pouvoir faire le réassort pour tout le monde. Et on devrait être pas mal le coq. Ça fait je sais pas combien de fois que je l'écrase celui-là. Et après normalement on est pas mal, ils ont de l'eau, ils ont des grains, ils ont des betteraves ou des patates, hein. Ils ont du mélange, ils ont tout ce qu'il faut. Et allez, on va pouvoir continuer tout simplement, on va aller mettre de l'eau, on va aller à la deuxième ferme. Avec le Kasiash Optum, hein, le 300 chevaux. Donc celui-là je vous le présente plus, parce que si vous voulez avoir plus de détails, bah, je vous invite à aller sur la chaîne de Farming Savoyard. Hein. Il a fait une très belle vidéo présentative sur ces deux modes, hein, les deux casiaches hein, qui sont sortis. Donc il a fait une très belle vidéo, donc je vous invite à aller les voir. Donc ouais, juste sur l'ordinateur, là vous voyez que la petite benne sur l'ordi est pleine. Et bah, ça fonctionne vraiment avec ce que vous avez derrière, hein. Donc là la citerne est pleine. Et ça se vide au fur et à mesure, donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Allez, on va direction les poulets. Les poulets, je vous fais voir une benne dans ce silage qui fait de tout, hein. Et tout simplement. Hop. Voilà, avec la petite masse devant, hein, petite masse AMX de chez Frabel. Allez, on rentre dans la ville. Toujours les mêmes qui traversent devant moi, de toute façon. Donc là, on chope à gauche. Voilà. Il est bien fait, hein. Apparemment il a des petits problèmes de bah, par rapport au poids. Par rapport au poids, si vous avez une benne derrière un peu lourde, hein. Par contre, apparemment le mode bug, enfin le tracteur bug, hein, il fait des wheelings dans tous les sens. Et donc, faut voir la répartition du poids. Ça, c'est peut-être que les modeurs ont oublié quelque chose dessus, hein. Parce que ça, je l'ai vu, mais chez notre. J'ai fait connaissance avec Monsieur Franck, hein, New Renegade Team. En live, il nous faisait voir hein, que le tracteur était. Il y avait un petit problème hein, sur ça. Il faisait de l'ensilage et son tracteur sautait dans tous les sens. C'était marrant à voir, mais c'était pas marrant à jouer avec. Donc, allez, hop. On va continuer donc à mettre l'eau, c'est juste là, hein, la flotte. Je sais pas si je vais y arriver. Hop, voilà. J'arrive un peu de vite. Il me fait pousser par la citerne. Est-ce que. Ouais, remplir. Impeccable. Bon bah. Voilà, ça c'est fait. Ça remplit en 2 secondes le bordel. Ce qu'on va faire de toute façon. Hein. Le tracteur, on va le laisser là. Je le ramènerai à la ferme plus tard. Hop. Et allez, je vais vous présenter donc une benne. Tout simplement. Attention, elle est là. Voilà, la mapu, la petite benne mapu, qui
qui est vraiment très cool, hein. Donc je vais vous montrer ça, hein. Changement de ridelle, voilà. Tac, une ridelle bâchée, débâchée en silage. Donc voilà, hein, c'est vraiment très sympathique. Il y a les essieux arrière. Donc là, c'est bloqué pour pouvoir reculer le plus droit possible, tout simplement. Et quand je les débloque, les roues tournent normalement. Attendez, je vais essayer de vous faire. Voilà. Là, vous voyez que la roue arrière tourne, donc tout simplement pour mieux tourner dans les endroits où c'est difficile. Tac, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a on peut choisir le bainage actuel si on veut bainer tout simplement que normalement, hein, en ouvrant les portes et en levant. Et donc on fait left shift A. Ah, on peut choisir juste que les petites trappes, là, les deux petites trappes derrière, à vider juste, juste cela là. Donc voilà, ouvrir que les portes. C'est vraiment sympathique. Qu'est-ce qu'on a? On peut déployer la mapu. Donc je vais vous montrer ça. On la déploie. Bon après à quoi ça sert Ouais, ça sert à faire beau. Voilà. Ça se déploie, ouais, c'est cool. On peut remettre la bâche hein, avec les ridelles. Hop, normalement la bâche ça doit être là. Voilà, bâche enlevée, bâche mise. Voilà, sympa, c'est sympa. Que puis voilà, hein, y a pas d'autres choses à vous montrer. On peut aller la tester si vous voulez sans problème. Hop, on peut aller faire un petit tour dans le silage. Bon, par contre, ouais, mon tracteur est pas assez puissant. Bon, ça devrait aller avec le case là. Casillage Magnum 260, vu qu'il a du mal à monter dans la côte à vide. Juste hop, voilà. Allez, vas-y, Jackie. Ouais, bon, après, c'est une benne. C'est à peu près une benne comme les Roland, hein, on va dire ça comme ça, mais bon. Il y a plusieurs styles de ridelles. De Riedel, donc non, c'est elle est sympa, elle est sympa, hein, elle. Donc je vous conseille donc de la prendre, la Mapu 24 tonnes TDM 7632 origine. Donc voilà, hein. Si vous voulez le nom, mais tout simplement vous rembobinez la vidéo de quelques secondes là pour voir le nom, et vous mettez ça sur Google, vous allez trouver tout simplement le lien sur les sites de mode. Même sur un site de mode, hein, vous allez sur Farming 2015 mode, LS15 mode, vous tapez juste Mapu, voilà. Mopu, et vous allez voir, vous allez tomber dessus, hein, voilà. Hop, après de toute façon, là j'ai fait un peu trop d'ensilage, je pense, la prochaine fois je vais arrêter Jackie, je mettrai Michel à faire du maïs grain. Hein. Faire du maïs grain et voilà, je pense que ouais, je sais pas si ce sera la dernière vidéo là dessus mais au pire, de toute façon, je sauvegarde, hein, et j'aurai toujours donc cette partie en cours. On verra si un jour vous voulez que on fasse un live dessus, vous me direz, et puis on retournera dessus, hein, tout simplement. Donc voilà, allez, hop. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. Je vous ai présenté deux petits modes, hein, tout simplement, histoire de passer un petit moment ensemble comme d'habitude. Donc merci les amis, on se dit donc à la prochaine pour de nouvelles aventures. Gardez le sourire et à ciao, bye. Il y a des malins. Je sais pas, par contre, il y a Fred, il bouge pas. Je sais rien faire. C'est magnifique. Un petit coup de cul. Oh la. Pourquoi tu sais rien faire? Je sais rien faire du tout. Non. T'as descendu? Descendu ou monté? Descends. On a pu descendre. Il bouge son véhicule, hein.